Alors, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a préparé. On a pris différents sujets. C'est très vaste, hein, la préparation d'un bateau. Ça, du coup, on va faire un peu élément par élément. Est-ce qu'on pourra avoir le support? Oui, on pourra avoir le support. Alors, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile de faire quelque chose d'exhaustif. Il y a tellement de choses. À chaque fois, j'ai essayé d'être de plus. Que ça amène à des discussions et de ce qui me paraissait pertinent, parce qu'en fait, sur une préparation de carême, on pourrait faire 2 heures complètes, voire plusieurs jours, chacun avec son avis différent en plus. Donc voilà, j'essaie d'apporter un peu mon expérience et ce qui est un peu pertinent. Donc souvent, les préparations de carême, c'est vrai que quasiment en monotype, c'est souvent en monotype en fait que c'est intéressant parce qu'on voit la différence entre les gens qui l'ont fait et les gens qui l'ont pas fait. Donc en Figaro, c'est sûr qu'il faut imaginer tous les bateaux ont été recalés, ça c'est sûr. Alors qu'ils sortent de chantier, on regarde le bateau, on voit la carène, on dit ouais c'est propre, c'est doux. Et en fait, bah non, en fait, quand on commence à regarder, à passer la main, on sent des creux, des bosses, des fois l'application des primaires qui ont été faits par le chantier, elles ne sont pas très fines, donc on a des effets de peau d'orange aussi. Donc, voilà, donc très souvent, la plupart, c'est quasiment obligatoire, il faut faire un calage. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des grandes règles qui font 1 mètre de long, hein, facile, avec du papier à poncer collé dessus. Et puis bah, il faut poncer. Voilà. Et puis après, on a des indicateurs. Alors il y a la main, ce que j'ai marqué, souvent la main, au bout d'un moment, on arrive très bien à sentir quand il y a des creux et des bosses. Mais on fait aussi avec du graphite. En fait, on met une poudre noire. Et quand on ponce, et ben en fait, là où c'est en positif, la poudre disparaît. Et quand c'est encore en négatif, et ben, ça veut dire qu'il reste un creux. Quoi. Donc ça, c'est la technique classique. Mais c'est très long. Quand on s'engage là-dessus, c'est sur un bateau de 10 mètres, c'est facile 3-4 jours de ponçage. Alors, souvent c'est assez déconseillé. Il faut vraiment être motivé pour faire ça soi-même. Sinon, on fait ça, par des préparateurs ou des chantiers. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte quand même un plus. Enfin, je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'avez déjà fait. Fait faire. Ah oui, j'ai fait. Oui, fait faire sur vos bateaux. Ah oui, non, on l'a fait. Oui. Moi je l'ai fait. D'accord. Et vous avez vu un gain ou Oh bah forcément un gain. C'est pas vrai que c'est ça. Donc une fois qu'on a fait ça, en général, du coup, on est sur le jet de côte, hein, sur la plupart des bateaux. Du coup, il faut refaire imprimer un époxy. Des fois, si vous avez acheté un bateau neuf, des fois, il n'y a rien qui est préparé. Donc autant le faire tout de suite, le calage. Et du coup, bah, après, imprimer un époxy, c'est forcément au pistolet. Souvent, ce que je peux faire au rouleau et reponcer après, non, ça ne sera jamais pareil. Si vous reponcez après, vous allez tout enlever, de toute façon. Au pistolet, donc souvent on n'a pas le matériel, donc c'est aussi il faut avoir le coup de main, donc c'est souvent aussi passé par un professionnel. Et pareil pour la finition. Donc qu'est-ce que vous avez comme type de finition en général vous, sur les bateaux? Vous êtes sur Teflon matrice dure. Teflon matrice dure. Teflon. Voilà, la 4D Speed Nautix, hein, c'est ouais, le plus répandu, voilà, pour les bateaux, c'est le plus répandu. C'est-à-dire le plongeur de manière régulièrement, il en reste encore un peu en fait. Oui. Pour faire venir le plongeur plus souvent. Oui, exactement. Bon, c'est ce qui est le plus répandu. Bah, après, ouais. Moi je suis dans le Morbihan, l'usine elle est pas loin, elle est à Guidel, donc c'est vrai que c'est. Nautique, c'est assez. Au pistolet. Et au pistolet, ça c'est indispensable. L'application un peu qu'au pistolet autorisée partout. Alors non, pas en extérieur. La plupart des chantiers aujourd'hui, c'est difficile. Alors on peut bâcher. Hein. Il faut bâcher. Voilà. Du coup, vous pouvez être en extérieur et bâcher. Quoi. Vous pouvez le penser. Après, il faut regarder la bonne météo aussi pour que ce soit bien fait. Dans le sud, il y a pas mal de speed et carodium. D'accord, oui. Ouais, ouais. Nous, on a moins. C'est vrai que ça... C'est pas dur. Hein. Ah oui, c'est un peu, ça part à la peinture, ça part à l'éponge là où on est dans un nuage. C'est un petit peu. Il y a beaucoup de bateaux préparés avec ça. D'accord. Bah oui, c'est vrai que moi je travaille pas dans le sud, donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a d'autres endroits et dans d'autres pays où ils utilisent forcément d'autres produits, hein, qui doivent être très bien. C'est breton le petit speed. Oui, c'est pour ça, c'est Guidel, c'est même.
Donc, si, le bateau est à sec. Si le bateau est à sec entre les régates, il y a un problème. Et bah, l'idéal, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, un anti-fouling, c'est plus quand le bateau il va rester tout le temps à l'eau. Et dès que vous êtes, si jamais votre bateau il sort, comme ça se fait de plus en plus souvent dans les pôles d'entraînement et tout ça, comme les Figaro par exemple, bah, eux ils sont sur des lacs au téflon justement. Et la tendance maintenant aussi, c'est lac plus vernis. En fait, c'est une laque, dans la foulée, on met un vernis, c'est des vernis qui ont été fabriqués pour les boîtes aux lettres allemandes. Donc, c'est anti-graffiti en fait. C'est un vernis qui est très fermé, donc il n'y a rien qui tient dessus. Quoi. Après, vous pouvez passer une peinture dessus et à la main, la peinture s'en va. Ça, c'est la place de l'anti-fouling sur les bateaux. Mmh. Par exemple, massif, même les gros bateaux, massif, aujourd'hui, il est que avec cette technique-là. Ouais. Alors, c'est apprécié beaucoup quand on a des sponsors, parce que ça permet aujourd'hui, justement, de marquer quelque chose sous la coque. On fait et hop, après, c'est recouvert d'un vernis, et ça tient. À l'origine, c'est pour ça que c'est arrivé un peu. C'est pour ça que ça arrive dans le milieu, mais en plus, il s'avère que ça a un très bon pouvoir de glisse. Aujourd'hui, c'est très recherché parce que c'est. Voilà, ça permet d'avoir une glisse optimale. C'est vraiment un produit un peu naturel. C'est des bateaux qui sont sortis entre chaque régate. Voilà, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut plonger, l'été, il faut plonger quasiment deux fois par semaine pour être sûr d'avoir un bateau propre. Quand il reste à l'eau, c'est ça. Mmh. Quand tu restes à l'eau. Oui. On peut le laisser à l'eau, moyennant plonger dedans. Voilà, si on laisse à l'eau, comme les gros bateaux, comme Massif, il y a pas mal de bateaux de course maintenant, ils plongent deux fois par semaine l'été. C'est pour ça, après les limites. Mais je pense que c'est intéressant, voilà, que pour les gens, c'est anti-fouling si vous laissez le bateau à l'eau toute l'année. Et parce que c'est un anti-fouling, on l'a toujours à récupérer à un moment, même si on l'a laissé, même si on n'a pas pensé. Non. Pardon ? Un acaptile qui est à l'eau. Ouais. On le nettoie avec son éponge un peu de la pente là. Au bout de combien de temps il faut replonger ? Moi j'ai l'impression que c'est tous les deux jours. Non, mais je pense que on fait une fois par semaine. Nous sommes chez Marant, sur le trimaran, là c'est une fois par semaine. Une fois par semaine ? Ouais. Et avec quoi comme éponge ? Alors, si vous avez déjà vu les gants, c'est des gants à poil qui sont pour les carrosseries de voiture, je crois. Ah ouais. Voilà. Fait avec ça, parce que du coup, quand on plonge, on ne le perd pas. C'est un peu comme un gros gant de toilette avec des... Ça, c'est pas parfait. La peinture, ça. Non. Non, ça c'est parfait. Ça permet vraiment de travailler bien. Ah, pour remettre à chaque main. Il y en a qui prennent des grosses éponges de. Alors, je pense que c'est les carreleurs ou les maçons, je sais pas, c'est sur un support avec une poignée, ça fait des grosses éponges. Voilà. C'est l'éponge blanche ou c'est des éponges blanches? Non, c'est pas, c'est des éponges blanches, en fait, ça ponce, en fait, les éponges blanches, c'est un peu les éponges magiques, là, comme on a fait ça avant. Et ça ponce, ça équivaut à un grain, à 3000 ou quelque chose comme ça, donc ça. Du coup, c'est ce que j'avais marqué juste dans l'entretien, je pense que moi, ce que j'essaye toujours au début, c'est de pas poncer. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on commence à poncer, bah forcément on crée des micro-rayures, même au 3000, même au 2000. Et après, là, c'est là que c'est la lutte elle est perdue avec les algues. Nous, moi j'attends, on va commencer, moi pour on a fait l'anti-fouling cet hiver, et on va commencer à poncer maintenant pour la route du Rhum, parce qu'on sait qu'on va regagner un petit peu de glisse et tout ça. Mais voilà. Et sinon c'est la lutte avec les petites berniques, les algues et tout ça. On se rend compte qu'un support, quand on ne le touche pas, un bon support, qui a été bien préparé, tout ça, quand on ne le touche pas, on a quasiment rien à faire. Hein. Ça part à l'éponge, il n'y a rien qu'à croire. Après une coupe pétard, vous ne mettez pas un petit coup de 1200. Pardon ? Après une coupe pétard, vous ne mettez pas un petit coup de 1200. Moi, je ne le fais pas. Ouais. Parce que si c'est bien fait, si c'est très, il faut que ce soit très bien fait. Hein. C'est très haute pression, en fait. C'est-à-dire avec un grain très fin. Il n'y a pas besoin, en fait. Et ça reste, il faut que ce soit très bien appliqué. Un anti-fouling matrice dure, là, le Nautix A4, là, quelle est votre expérience? Une fois par an, deux fois par an Une fois par an, ça suffit. Si c'est pas poncé, une fois par an, ça va. Ouais. Si on commence tout de suite à vouloir le poncer, c'est sûr que. En fait, les fabricants de peinture, ils expliquent que le support il reste fermé parce que c'est une pellicule qui migre en surface en fait. Et si on commence à la poncer tout de suite, et ben en fait, on,
on a enlevé cette première pellicule qui fait que le support est fermé, et du coup le support il devient poreux, et voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, pour moi, très bien appliqué tout de suite. Après, je suis d'accord que... il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vont dire, non, une peinture, il faut tout de suite la reponcer au 2000, il faut la recaler, tout ça. Et puis il y a aussi le test de la goutte, il y en a, c'est le test de la goutte, ils poncent et puis ils mettent des gouttes d'eau, et puis tant que si la goutte elle va plus vite d'un côté, il faut continuer à poncer. Je vais pas jusque là. En tout cas, après, comme je vous dis, là maintenant je suis sur un support particulier sur les multicoques. En fait, on sait qu'il y a tellement de gains de vitesse à chercher ailleurs. Après, en Figaro, effectivement, on reponce assez vite. On est reponcé au 2000, au 3000, au carême. On met à l'eau au début des entraînements, tout ça. On essaie de ne pas toucher parce que comme ça, on sait qu'on ne va pas trop galérer. Et puis très vite, avant les courses, on est déjà à poncer au 2000. Avec, c'est des éponges, j'ai marqué, les éponges un peu, c'est des disques en fait. C'est Mirka qui fait ça. C'est une éponge à souple. Et c'est un disque, ça ponce au 2000 quoi. Grosso modo, c'est pas mal. Poncer au 2000, ça permet effectivement de récupérer des petites imperfections, mais qu'on sent pas, qui sont imperceptibles. Je pense que c'est, ouais, c'est peut-être un peu dans la tête. Je pense qu'aller jusque là. Et les œuvres vives, non, mortes, pardon. Ouais, c'est ça. Les appendices. Après, les œuvres mortes, toi tu. La partie haute. Vous pouvez policher si. Nous on polish pour que ça soit joli et que ça glisse bien. Pas de téflon dessus. En fait, après, moi, des téflons, de plus en plus, on y revient parce qu'on ne peut plus rien faire derrière, en fait. Ouais. Les peintres et tout ça, tout le monde en composite, tout ça, en râle, téflon, on y revient parce que c'était pas bon pour la planète. Et c'est vrai que ça glisse bien, mais. Et en plus, après, pour aller remettre quelque chose derrière, c'est un enfer. C'est plus rien qu'accroche, quoi. Vous avez des questions sur les carènes? Du coup, des appendices. Donc c'est un peu pareil en termes de préparation, c'est du ponçage. C'est le ponçage, souvent on peut mettre le même... dans la logique, on va mettre les mêmes finitions que sur la carène. Si vous êtes sur un anti-fouling, vous allez mettre un anti-fouling aussi. Alors sur les appendices, par contre, là c'est souvent à refaire, prévoyer, ça tient moins longtemps. Ouais. Ça tient moins longtemps, donc nous c'est sur les multicoques, c'est facile, on les enlève et puis on les repeint, sur vos bateaux c'est plus dur. Peut-être profiter quand les bateaux sont sortis, d'aller refaire à mi-saison, d'aller faire une passe anti-fouling sur les appendices. Parce que déjà souvent ils prennent, on prend des trucs en mer, du coup ils sont griffés, tout ça, donc on veut corriger. Souvent ils sont sur les tableaux arrière, ils prennent plus les algues aussi parce qu'ils ont plus la lumière, hein, simplement. Du coup, on a tendance à plus frotter, donc souvent l'anti-fouling sur les appendices, il tient pas longtemps. Et notamment les couleurs hein, aussi, les couleurs, quand on commence à vouloir mettre du orange, tout ça, ça passe très vite, ça tient moins bien. Voilà. Et du coup, il y en a pas mal qui mettent aussi les appendices en lac plus vernis. Voilà. S'ils veulent garder une couleur, ça se faisait pas mal. Alors je pense que ça, après, il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai marqué, souvent on a vu... sur des safrans qui étaient vernis, donc un support qui était trop lisse en fait pour des safrans. Et ça génère des décrochages en fait. C'est pas idéal en fait d'avoir, par exemple, faut pas les policher des appendices parce qu'ils vont moins bien fonctionner. C'est pour des histoires de couches limites, c'est pareil, on pourrait débattre de ça pendant des heures. Mais très souvent, on met les appendices, il faut une finition 320 ou 220 pour créer une bonne accroche. J'ai même vu des pieds en Figaro comme ça, on avait fait des tests pour tenir plus longtemps au lard serré sous spi, quand on ponçait en dessous du 220, les safrans décrochaient moins vite. D'accord. Les safrans décrochaient moins vite. Quand ils sont pourtant ils ont des grands safrans, les Figaro, hein, les bateaux ils décrochent pas souvent. Mais quand ils sont au lard serré sous spi, ils vont très loin en général là-dessus. Hein, ils sont,
Et du coup, la limite, bah, c'est le safran qui décroche. Quoi. Mmh. Et donc, bah, quand s'ils peuvent repousser cette limite, ils le font. Donc, si on ponce plus, on va effectivement avoir le safran, il va décrocher plus tard. Par contre, en glisse, dans le titan, on va dire que c'est un peu moins bien. Là, on joue sur des millièmes. C'est que du théorique, je pense que c'est un perspective. Si on se fait toute une quille au 300 au lieu de la faire au 1000, normalement, on monte mieux près. Par contre, on va moins bien glisser au portant. Voilà. Il y en a qui vont préférer policher la quille pour dire. C'est que de la théorie, hein, moi, mais c'est un peu logique. En fait, au portant, on va avoir la quille, elle sert à rien. Enfin, du coup, on va essayer de limiter les frottements, donc on va chercher à avoir quelque chose de lisse. Et par contre, auprès, on veut un profil qui marche, qui ne décroche pas. Et du coup, là, il faut, histoire de couche limite, là, il faut plutôt poncer aussi au 320. En règle générale, c'est vrai que dans les préparateurs, on dit on polish pas les appendices, et on cherche pas à avoir une finition au 2000. C'est 320 à l'eau. Oui, toujours, tout à l'eau. Après, ça c'est mon expérience, mon point de vue, comme toujours pareil, vous entendrez plein de gens différents, et puis il faut toujours, même moi je suis prêt à changer d'avis. Hein. Il faut tout le temps rester ouvert, parce que ça reste quand même des domaines où c'est imperceptible. Il y a quelques trucs qu'on peut vérifier, notamment bah, justement quand on a des monotypes. Et après ça reste un peu de... Chacun se fait son idée sur la... Donc les quilles de Figaro, c'est au 320 maximum. Ouais, moi ceux que j'ai préparés, après peut-être que c'est pareil, il y a des tendances et des trucs, il faut toujours être à l'écoute. Ça se trouve, moi ça fait deux, trois ans que je suis un peu loin du circuit Figaro, ça se trouve il y a une nouvelle tendance, il faudrait demander à un profil, voilà, parce que lui il est un peu spécialisé des appendices, et Pascal Caillat, c'est ça. Ça se trouve il y a des nouveaux trucs hein, et qui vont pas dire, voilà, à part la forêt, des fois ils vont plus vite, on ne sait pas pourquoi, c'est aussi parce qu'ils ont trouvé des petites astuces de préparation sur des choses. Ouais. Et justement, bah, notamment, en général, souvent ce qui marche bien quand même, c'est, j'étais encore sur le. J'avais marqué un petit 2, pour la préparation de surface des appendices, c'est bon. Je me mets des questions. J'ai tout le temps les deux écoles pour la finition par exemple du safran, mais ça marche aussi pour la quille. C'est au niveau du bord de fuite. Oui. Il y a toujours eu les deux écoles, du biseau et du vent droit. Symétrique. Ouais. Parce que bah, par exemple en trimaran ou en Figaro, de ton expérience Figaro, tu as eu un retour positif sur une technique. Là. Ouais, en Figaro c'est 45 degrés. Un petit biseau. Et après, c'est souvent, en fait, tu finis par biseauter souvent à cause du sifflement. Quand ça siffle, c'est pas vraiment bon, en fait. C'est qu'en général, c'est que ça, c'est pas bon pour la vitesse non plus, c'est désagréable, c'est pas bon pour la vitesse. Du coup, c'est plutôt un biseau. Après, forcément, ça fait un bord qui va marcher mieux que l'autre. Donc, par exemple, sur le safran, il y a des techniques, nous, justement, sur le safran de coque centrale du trimaran, on a des biseaux inversés. Tous les 20 cm, on a des biseaux inversés pour pas que ça génère, parce qu'on avait le safran qui sifflait trop. Du coup, on a été, normalement, sur un safran, tu veux pas avoir un safran qui tire à droite, qui tire à gauche. Du coup, tu biseautes pas, tu fais bord droit. Mais là, ça sifflait tellement qu'on a été obligé de biseauter. Du coup, on a inversé, on a décalé 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. Et le biseau fait quelle épaisseur après ? Pardon ? Quelle épaisseur le biseau ? Bah, c'est à 45, après il faut quand même laisser. Si ça arrive trop fin, ça va casser. Et là, c'est combien ? Ça va dépendre de. En fait, ça va dépendre de l'épaisseur du départ en fait. Mais je dirais 2 mm, c'est quelque chose de raisonnable, parce que après vous allez prendre un bout où vous allez passer la corde à deux et ça va casser le bord de fuite. Donc, c'est une grande discussion que j'avais avec l'électronique. Plus c'est fin, mieux c'est. Hein. Plus le bord de fuite. Plus le bord de fuite est fin, mieux c'est hein, dans la théorie. Après c'est fragile. Quoi. Et après on a plus de risques que ça siffle. Vous parlez de gabarit, il y a des formes d'appendices qui sont largement préconisées. On parle de Brodinaka. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas marqué, voilà, exactement.
C'est vrai que les professionnels des appendices, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Fagnan à la Trinité par exemple, c'est, en général c'est lui qui récupère beaucoup d'appendices de course. Sur, on va dire il ne veut pas avoir des appendices sans gabarit. Même s'il les a déjà vus l'an dernier, il revérifie tout le temps parce que ça bouge en fait. Le composite ça bouge, les safrans ça bouge. Dès qu'on refait un anti-fouling, qu'on refait un primaire, qu'on pionce un peu, et ben, donc c'est encore plus vrai pour nous à haute vitesse, mais même pour vous, en fait, de récupérer les plans des appendices par les architectes, donc c'est souvent des profils NACA, et de vérifier si on est proche du profil théorique ou pas. Et bien souvent, on a des surprises. Vous avez vu sur une préparation de Figaro, c'est un ami qui l'a préparé, on l'avait regardé. C'était incroyable, mais la quille n'était pas du tout conforme, les profils de safran, il passait son temps effectivement, mastique, foncé, gabarit, mastique. Oui. C'était hallucinant. Quand on met les gabarits, quand on regarde comme ça, on se dit, déjà avec une règle, souvent on peut voir en longitudinale, déjà parce que c'est souvent avec une règle en mettant sur la longueur, on peut voir des choses, on peut voir des creux et des bosses. Souvent, ce qui fait des gros dégâts, hein, c'est les orbitales, les ponceuses orbitales. On s'en rend pas compte quand on dit oh, ça va aller vite, je pense avec l'orbital. On fait vite des trous et des creux et des bosses avec ça, c'est impressionnant. Donc, c'est souvent ça vient souvent de là, les défauts. Mais bon, même sorti de chantier, des fois, les moules, il y a des défauts dans les moules. Vérifier, c'est. Alors, c'est un coût hein, de faire des gabarits, déjà, il faut retrouver les plans. Et après, l'idéal, je sais pas, par exemple, quand il y a des flottes de bateaux sur les Sunfast, vous pouvez vous mutualiser, parce que vous êtes censé avoir tous les mêmes. Ouais, ça peut être des choses comme ça. Après, parce que, bon, je pense que c'est moins. De faire des gabarits, ça va être déjà 400 euros, je pense, de faire des gabarits pour un safran. 400 ou 500 euros, de faire des gabarits. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Après, il faut être capable aussi, une fois qu'on a les gabarits, il faut être capable de les rectifier. Donc ça, c'est aussi une technique un peu... Voilà, il y a des techniques aussi pour les rectifier qui ne sont pas à la portée de tout le monde, en fait. Une fois qu'on s'est rendu compte, on pose les gabarits, on voit que, bah, moi, que ça colle pas, qu'il y a des creux et des bosses. C'est pas toujours facile de bien faire derrière. De reboucher. Voilà. Après, on avait évoqué aussi sur les safrans, le réglage de parallélisme, c'est pour les bisafrans. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Tellement de questions que. On y touche plus. Je sais pas quoi parler. Comment on fait comment les régler comment les régler là, c'est pour les Sunfast. Hein. je sais que c'est un grand débat. C'est un grand débat toujours. Donc vous ne pouvez pas les régler en navigation ? Non. Ouais. Moi je peux aussi, je peux, mais compliqué. Donc je sais que j'avais, parce que moi j'avais déjà fait un peu de formation pour les animations, pour les duos IRC à la Trinité. Et du coup, on s'est un peu renseigné. C'est toi qui... Moi j'avais fait j'avais monté, non mais au début, c'est plus moi après, mais c'est qu'après j'avais fait le temps. J'avais pas le temps après, et du coup c'est Erwan Leroux qui avait pris ça avec Alternative Selling. C'est moi qui avais fait ça. Et je faisais déjà avec Réauté, j'avais pas le temps faire tout bien. Et du coup, je pense que s'il y a une règle à retenir, c'est souvent les gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Déjà, ce que vous comprenez, pourquoi est-ce qu'il faudrait régler ça point. Pourquoi ? Parce que sinon, on va dire, pour le minimum de traînée, il faut les régler droit. Enfin, je pense déjà, c'est pas facile. Il y a plusieurs techniques pour régler droit. Il y a des gens qui disent il faut naviguer au moteur, tout lâcher, et puis regarder avec les safrans. Et souvent, c'est pas facile parce que les safrans, en fait, ils sont inclinés. Du coup, de leur propre poids, eh ben, en fait, ils vont tomber. Donc, il faudra avancer très vite pour qu'ils se remettent vraiment droit avec cette influence. Donc, le mieux, c'est quand même de mesurer au sec. Et de prendre des points à la même hauteur, bord de fuite et bord d'attaque, et d'essayer de mettre ça parallèle, en fait, d'avoir les mêmes longueurs. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et après, de marquer quelque part sur la coque, d'avoir des repères, en fait, où vous dites, bah, là, je suis droit. Après, je ne sais pas, en fonction des systèmes de réglage, je sais que les Figaro, c'est très simple parce que les safrans, on les voit à l'arrière, ils arrivent tout poil sur le tableau arrière, donc ils font des marques sur le tableau arrière,
Là, ils savent que c'est des bords de fuite, mais ils savent que c'est droit. Quoi. Et après, sur les tringleries à l'intérieur, parce qu'après, du coup, ils règlent avec les tringleries à l'intérieur, ils dévisent des tours, Et ben, pour savoir si on est au zéro, on fait des systèmes d'élastique. En fait. Du coup, chaque fois qu'on prend un tour, ben, ça fait un tour d'élastique pour revenir, pour pas être perdu, pour revenir à l'envers. Mais en fait, ça défait les tours. Quand on voit qu'on n'a plus de tours, c'est qu'on est rendu, au neutre. Ça, c'est, là, c'est très important, c'est que les safrans, en fait, quand on commence à les régler, il faut être sûr de ne pas faire de bêtises parce qu'on peut très vite avoir les safrans en travers de la piste et là, on avance plus. Voilà. Donc, très important d'avoir un bon repère déjà de position neutre. Déjà, si vous arrivez à avoir votre position neutre, c'est bien. Et après, donc, en général, pour moi, les réglages safrans, c'est surtout pour. Après, chaque bateau va être différent. Hein. On ne peut pas généraliser, il va y avoir des comportements, des bateaux qui sont un peu durs en barre, du coup, on joue sur les écartements et tout ça. Mais globalement, ce qui est vrai pour tous les bateaux, c'est que quand le bateau est à plat, on va chercher à avoir, pour la glisse, on va avoir des safrans dans l'axe, en fait, donc sur une position neutre. Et dès qu'il gîte, par le décalement de la carène, quand le bateau gîte, on a la carène qui se décale. Et du coup, on a le safran qui va se mettre, le safran, au lieu d'être dans l'axe, et ben, il va se mettre dans l'axe de la nouvelle carène, donc sur le côté, le safran qui est dans l'eau, donc le safran qui est sous le vent. Oui, et du coup, naturellement, ben, on met de l'angle de barre. Et du coup, ben, celui au vent, il traîne, il frotte celui au vent, lui, il n'est plus du tout. Donc pour pouvoir le remettre dans le bon axe, celui qui est au vent et qui traîne un peu dans l'eau, et ben on pince le safran. On resserre, on écarte l'arrière, on resserre souvent, des fois, parce que souvent on dit pincer, mais alors on ne sait plus si on pince l'arrière. En tout cas, on les met plutôt comme ça quand le bateau gîte pour pouvoir remettre dans l'axe de carré. Simplement. Ça, c'est un peu la. Comme ça, l'arrière est en haut. Pardon, je regarde vers l'avant du bateau. Voilà. Donc ça, c'est, la, c'est en fait, on pince les attaques de safran. On pince les attaques. C'est un mot que j'ai oublié. Oui, pour les routes. Oui. Ouais. Voilà. C'est un peu, je ne sais pas si vous aviez d'autres règles. Alors, je sais que sur les Sunfast, il y a l'architecte qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, j'avais eu des infos, il y a des infos... C'est que Andrieu, il avait travaillé là-dessus sur le serpent. Il avait fait pas mal d'essais et qu'il avait ressorti des choses. Mais... Il a donné un réglage de base. Ah oui. Après maintenant, la question c'est si tu vas mettre combien de tours en fonction du vent, de l'allure, c'est les amplitudes en fait. Tout à fait. C'est le delta qui est. Après, il faut faire des souvent, même en Figaro, il y a. Il faut vraiment très bien connaître son bateau à la barre pour le sentir, donc il y a une question de feeling. Le bateau, est-ce qu'il est un peu dur, tout ça. Et, voilà, et après, il y a les speed tests qui marchent assez bien. Hein. Il faut se... En petit temps, est-ce que tu modifies ou non? Et la brise, est-ce que tu modifies ou non pour faire une part, en portant l'autre part? Et quelle est l'amplitude, combien de tours tu fais avec ton élastique autour de ton axe, quel est le delta? Ça, je sais. Ouais. Alors je pense qu'un bon truc, c'est juste déjà de regarder ces safrans derrière si vous les voyez, parce que s'ils sont pas dessous. Si vous les voyez, en fait, de voir s'ils sont pas trop braqués. En fait, vous regardez la petite vague qui se crée juste au niveau du safran. En fait, si ça commence à, si elle est trop haute, voilà, on voit qu'il y a le safran qui travaille un peu en travers. Oui, ça c'est l'observation. Ouais. Ça c'est clair. Donc au portant, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu traînes après au portant. Et pourtant, c'est peut-être ton réglage de base. Et ouais. Moi, mon interrogation, c'est jusqu'à combien de tours tu fais, jusqu'à combien tu passes, jusqu'à combien tu ouvres. Ouais, bah jusqu'à trouver quelque chose qui est fluide derrière à l'observation. Si tu dépasses le nœud, tu vas trop loin, tu vas inverser le phénomène en fait au lieu de faire des turbulences à l'intérieur des safrans, tu vas faire à l'extérieur. Oui. Donc c'est pas bon. Mmh. Voilà. Donc il faut retrouver que ce soit équilibré. En fait, grosso modo, c'est que la petite vague elle soit équilibrée des deux côtés du safran. Quoi. En tout cas, moins elle est toujours parce que le safran il travaille. Le safran sous le vent il travaille. Voilà. le safran au vent. Bah, il faut que lui, il faut pas qu'il travaille en fait. Le safran en vent, globalement, sur les mini, on a solutionné le problème, on les relève. Voilà. On relève le safran en le vent, sur les IMOCA aussi, comme ça, parce que c'est très dur, même en IMOCA, c'est très dur de bien gérer ce problème de parallélisme. Donc en fait, le but, c'est
de supprimer la traînée de celui qui est au travail. Voilà, qui travaille plus. Je fais un peu le gendarme. Oui. Hein, on va terminer. Non, il est 25, on finit à 9h05-10, ok. Ouais. Alors, du coup, ça va aller vite parce que c'est vrai que c'est, on rentre dans un domaine qui est le domaine de l'architecture. Hein, même sur les Figaro, même sur les bateaux de chantier, il y a des quilles qui sont mal implantées. Souvent, quand on les met sur les chantiers, on commence à vérifier l'axe, on met le bateau à l'axe et tout ça. Et puis, on se rend compte que la quille n'est pas au bon endroit, les safrans ils n'ont pas la même inclinaison. Voilà. Donc, ça, si vous avez les moyens un jour de vérifier. Je pense que si vous avez un bateau qui marche bien, vous avez la bonne vitesse, ne touchez pas, vous allez peut-être perdre votre temps. Par contre, si vous avez des doutes sur un bord qui marche mieux que l'autre et que vous n'avez rien à y faire, un réglage de mât et tout ça, il faut commencer à regarder ça. Quoi. Et après, pour ceux qui sont prêts à passer dans la catégorie prototype, après, il y a toujours les profils de qui des bateaux de chantier sont pas ce qui se fait de mieux. Il y a toujours moyen de gagner en performance en modifiant ces profils, en modifiant les bulbes, en rajoutant du poids dans le lest ou en enlevant en fonction des bateaux. On peut changer le comportement d'un bateau très facilement en fait. C'est assez impressionnant. On parlait de. J'avais mon expérience sur le MC34 là, qui ne marchait pas du tout la première saison et la deuxième saison qui marchait beaucoup. Et c'était beaucoup les appendices, alors ça avait été radical, mais voilà. On a changé la quille, non ? Alors c'est la même quille, mais justement, ils avaient changé de profil et changé le lest. Et a moins bien marché après quand il a changé de propriétaire. Oui, pavillon belge. Après, j'ai pas suivi. Mais oui, après, voilà, c'est pas tout. Mais ça sera la conclusion un petit peu. Hein. C'est que c'est pas tout d'avoir un bateau bien préparé. Oui, il y avait le mât aussi. Mais. Voilà, du coup, avec le mât, les surfaces de voile, et on était passé aussi en asymétrique. C'est une question assez importante par rapport à la première version du bateau. Tout à fait. Mais en fait, je parle juste en termes de tenue, du comportement auprès tout ça, du bateau. Genre, t'as le 732 qui est pas mal. Oui. Sunfast aussi. Sunfast, ils ont fait plusieurs versions de qui aussi, hein, et de Safran, je crois. Parce que tout le monde, si vous regardez en Sunfast, vous connaissez tous le Sunfast type. Changer de qui, changer de Safran, ça change aussi complètement radicalement le comportement du bateau. Passer de la quille en T, avec un voile de quille très faible, à une quille plate. Et c'est un bateau qui était plus typé régate inshore. Mais la modification du mât de Safran par rapport au bisafran était un comportement du bateau, j'ai connu ça. Si vous avez eu déjà l'occasion de changer là-dessus avec Bernard Malaret qui le barre, c'est le jour et la nuit. Ça change complètement les performances du bateau. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était une aparté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Des fois, on peut avoir avec le même bateau, avec la même base, en modifiant les appendices, on peut avoir un bateau en comportement complètement différent. On peut avoir une bête de près alors qu'on a un bateau de portant, et inversement. Voilà. Là, on a fait la partie je vais essayer d'accélérer. Le dormant. Est-ce que vous avez des questions sur le réglage du mât? On peut aller assez vite, la préparation du mât. C'est pareil, hein, on pourrait y passer des heures sur le réglage du mât. Donc, j'ai essayé de sortir un peu les points qui paraissaient sensibles. Donc, pour moi, un mât, c'est comme en Figaro, vous savez, à chaque allure, ils passent leur temps, ils règlent autant leur mât que les voiles. Hein. Ouais. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Souvent, nous, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout leur mât, même avant chaque course, alors que les conditions sont différentes. Il faut y aller petit à petit, hein, je pense. Il faut y aller petit à petit, mais voilà. Idéalement, un mât, pour moi, il est réglable en navigation. Donc, j'ai marqué à minima un patara sur palan. Je pense que vous avez presque tous là-dessus. Chez les X, pas toujours. Des fois, il y a encore des vérins ou des. Ouais. Ça marche bien, mais c'est pas très réactif en fait.
Voilà. Ouais. En Figaro, il y a le vent qui mollit un petit peu. C'est quasiment le premier réglage, le patard. En fait. C'est pour redonner un petit peu de puissance dans la grand voile. Prof, ouais. Ouais, mais Figaro, ça fait combien de mètres? Non, mais c'est vrai que c'est pas sur des gros. C'est vrai que c'est peut-être pas un petit peu. Ouais, il y a beaucoup d'inertie. Non, mais est-ce que sur un gros, tu peux mettre un ballon Ou alors, si vous êtes en équipage, il y a peut-être quelqu'un qui est dédié au patara. Mais c'est vrai que, après, tout peut se faire hein, en ballon. Il n'y a pas des vérins sur tous les bateaux, mais en démultiplication, on peut tout faire. Ouais, tu vas jusqu'à quelle taille de bateau dans la démultiplication? C'est la question. C'est vrai que là, je sais, là, tu sais pas. Bah, non, parce que c'est la question que je vous pose. Oui, on verra et on se pose la question de passer en ballon. Et on a les deux sont de club. On ne sait pas trop, avant de toucher, on voudrait être sûr. Après, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes inquiet, faut mettre, on met toujours une sécurité déjà. C'est pas une question de sécurité. C'est est-ce qu'on peut arriver à avoir la puissance du verre. On va avoir une démultiplication. C'est ça le problème, c'est qu'après, tu augmentes la démultiplication et après, il faudra mettre ton bout. C'est ce qui arrive sur les 1040. Il y a eu un tambour pour enlever tout. Parce qu'après, oui, c'est ça. Tout très bien, tout à voir avec un terrain qui est pas. Tu mets 6 bras, 7 bras, tu peux faire. Exactement, mais tu fais, mais après, il y a beaucoup de. Tu mets une cascade à 3 trucs, voilà. Aucun problème pour la force. Même si tu as TP 52, tout ça. Mm-hmm. Donc après, par contre, il faut arrêter ton bout. Il faut tirer des mètres. Hein, pour voilà. Et plus tu démultiplies, plus t'as bout avec. Ça, c'est. après, si vous avez un système. Si vous avez un système simple, efficace pour régler, mais il faut se dire, c'est pas parce que j'ai pas le bout à la main que c'est pas important. Voilà. dès que le vent change, il faut se dire, mon patara, je relâche. Voilà. Du coup, il faut beaucoup penser à son vérin. C'est ça qui est important. Le vent amolli, il faut penser tout de suite à mon patara. Je rappelle que sur les Galles, il y avait des hautes et basses bastas plus du patara. Oui. Chaque fois qu'il y avait deux nœuds ou trois nœuds différents, vous touchiez à tout. Tout le temps. Aussi bien les basses bastas que les autres bastas. Ah bah c'est important. C'est hein. Toujours. Et ça, c'est vraiment le mieux. Après, du coup, voilà, pour pouvoir régler le. Et le, est-ce qu'il y a des critères d'un agrément trop tendu? Quels sont les signes? C'est quand s'il est jamais mou sous le vent, c'est qu'il est trop tendu. Oui, c'est ça. S'il est jamais mou sous le vent, c'est que faut toujours être un peu à la limite. En fait, c'est ce que j'ai marqué là. Un gréement trop tendu, ça peut bloquer le bateau. En fait, comme je disais, un patara trop, voilà, vous êtes très sécu. Mais des fois, le bateau, il n'arrive pas à redémarrer, quoi. Et vous choquez un peu de patara et pouf, le bateau il repart. Et c'est pareil pour les haubans en fait. Donc s'il est jamais mou sous le vent, c'est qu'il est trop tendu. Ouais. Et la mollesse, si je puis dire, est équivalente entre les galobans et les baobans? Ou est-ce qu'on peut. Genre, les roues en plan chien, machin. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut. Ça dépend de chaque gréement, chaque bateau. Parce qu'on peut avoir un galoban relativement mou et un baoban qui est encore plus. Oui. Alors, ce que j'ai marqué, justement, c'est regarder son mât en fait. En fait, chaque bateau, moi je connais pas les bateaux, mais en regardant un mât, j'arrive à savoir si c'est les D1, si c'est les D2, si. Ouais. Et vous aussi, en fait, quelque part, c'est une gymnastique de l'esprit à chaque fois de se dire. Puis des fois on se trompe, on se dit tiens, si je reprends mon D2, ça va pas. Finalement, ça fait l'effet inverse que je voulais. Ouais. Mais il faut le faire, il faut passer par là. Regarder tout le temps son mât en navigation. Ouais. Voilà. Regardez le cintre et puis en latéral des fois la tenue de mât, parce que des fois on a la tête de mât qui part sous le vent. Donc tout le temps regarder son mât dans les trois dimensions. Normalement en règle de base, c'est que en fait un gréement chargé complètement avec le génois et la grand voile, dans 16 nœuds, normalement il doit sous le vent à commencer. Hein. Voilà. Donc, il doit sous le vent commencer. Commencer à être mou. Tout chargé, comment c'est? Ça c'est pour un réglage de base. C'est un réglage de base, c'est quand on veut pas régler son bateau tout le temps. Ouais. Ouais. Parce que ça permet d'aller jusqu'à, on va dire, jusqu'à 30-35 nœuds sans risquer pour le mât. Après plus vous allez prendre des risques, vous commencez à risquer un peu pour le mât, il commence à balader un peu. Si
Mais s'il n'est pas assez tendu... Je rappelle simplement que si vous avez, vous avez des barres de flèches, si vos barres de flèches ne sont pas très grandes, quand vous verrez la tête du mât qui déverse, vous diminuez l'angle, ça veut dire que vous pouvez casser un mât. Oui. Voilà, c'est très simple. Tout à fait. Donc ça veut dire que maintenant on a des barres de flèches qui sont assez importantes, donc les angles sont plus importants, plus de sécurité. Et donc on peut se permettre d'avoir des gréements un peu plus mous. Oui. Plus qu'on avait avant. C'est vrai, tout à fait. Avec un gréement mou, on ne peut pas avoir beaucoup de pression. Avec un gréement mou, oui, naturellement, après ça dépend aussi, parce que si, pour acheter ce qu'on pouvait avoir, voilà, c'est, vous allez avoir les barbants. Après, sur ce qu'il va pomper, il va repartir devant, voilà. Il va redonner la puissance. Le cintre, c'est différentiel sur un gréement à barre de flèche poussante classique, c'est le différentiel entre les haubans et les haubans, en fait. Si vous tendez un peu plus les haubans et moins les haubans, bah, forcément le mât il va partir un peu sur l'avant. Parce que j'ai parlé en mode de notaire, parce que j'ai entendu une fois, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, pour régler, c'est qu'on blâme le patara. Pardon ? Pour régler, on blâme le patara à fond, on blâme à fond ça, on réguit le gréement sans plus, et on relâche parce, le patara. Oui, parce que de blinder le patara, c'est juste parce que de blinder le patara, ça va aider. Voilà, c'est parce que ça va aider, c'est pour faciliter le travail qu'une vraie règle. Oui, mais je suis d'accord. Il vaut mieux d'abord connaître un peu très simple le mât que l'on veut. Oui. avant, exactement. Avant de mettre le patara, parce que patara, ça va. Tu peux blinder ton patara en fonction de. Ah oui. Michel. Après, il faut relâcher le patara, effectivement, et la garder quand même très simple. Voilà. Voilà, sur le réglage. Important de connaître un réglage, parce que quand on commence à toucher tout ça, important de connaître son réglage de base. Qui effectivement, le réglage de base, c'est comme on disait, à peu près à 15 nœuds de vent. Il faut que, voilà. Il faut que ce soit. C'est un peu ça le... Avec le maximum de voile sur le. Voilà. Bah, c'est souvent, en fait, 15 nœuds de vent, c'est souvent pour les bateaux. C'est un peu c'est là qu'on on a tout dessus, en fait, sur la plupart des bateaux. Et, 15 nœuds de mer plate, tous les bateaux vont vite. Voilà. C'est clair. Ça t'a pas 15 nœuds de mer plate. Ah oui. Ah bon. Dans la vraie vie. Oui. Et comment vous marquez les hauteurs Alors les hauteurs, sur les ridoirs, justement, donc, déjà, j'en ai marqué, il faut qu'ils soient bien graissés pour pouvoir les régler facilement. Éviter de casser les ouvrages, sinon après vous pouvez casser les filetages en forçant. Marquer le sens de rotation, en fait, souvent on fait une flèche et un plus et un moins sur le pont directement. Voilà, simplement. Parce que même Figaris, hein, qui font ça tout le temps, les moments on peut se tromper, il ne faut pas se tromper. Quoi. Et pareil, les Figaris, ils sont tout le temps avec un pied à cuisse. Quand ils vont régler, en fait, ils sont plus sur des valeurs pied à cuisse. Il y en a qui comptent le nombre de tours, mais en fait, souvent, ils ont le pied à cuisse. Sinon, vous avez les gréements, le fin du fin, c'est l'OS, c'est les gréements OS, c'est-à-dire que vous avez cette fois une petite migration sur là. Sur le papier, c'est que vous avez exactement la dimension, vous avez les repères que vous avez. Quand vous le remettez, vous avez 9, 8, 7 et vous avez exactement. Ça existe les ridoirs, les ridoirs gradués. Ça, c'est la loi. c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai marqué du coup Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Parce que si on doit aller vite, s'il y a pas mal de. Donc j'ai marqué, voilà, le réglage du mât, c'est aussi important, il y a le patara, c'est le dévers des têtes, faire toujours attention à son dévers des têtes. C'est faire du prêt avec un, regardez votre étel. Adaptez quand même votre rond de guindon, votre rond de guindon de voile au profil de vos mâts, quand vous l'avez réglé. Du grand voile. Le grand voile. Oui, exactement. C'est le pré-cintrage du mât, voilà. Marqué, c'est en fonction du creux que vous avez dans la voile. Si jamais votre voilier va vous dire, j'ai fait une voile très creuse, par exemple les voiles de Figaro sont naturellement très creuses, et c'est pour ça qu'ils... Vous n'imaginez pas comment ils cintrent les mâts pour réduire le creux, mais du coup, c'est pour ça qu'ils tiennent aussi la grand voile par 35 nœuds. Ils ne prennent pas de ride, ils prennent quasiment jamais de ride. C'est parce qu'ils ont un mât carbone qui cintre énormément. Okay. Globalement, vous réglez plus les haubans ou les têtes en fonction du vent? Alors, moi, je dirais, c'est quand même les têtes. C'est souvent les têtes qui. Voilà. Si on doit régler. Une seule chose, ce serait plus le patara et les têtes, quoi. Et moins touché au banc. C'est bien aussi. Il y a quand même une chose, c'est la position de votre été par rapport à la tête, par rapport à la tête de main. Ouais, c'est ce que j'avais marqué, ça c'est la quête. Voilà. On joue sur la quête, toute la notion de quête aussi, c'est vrai qu'on
La distance de votre idée, ceux qui ont un 7-8e, c'est la distance de l'extérieur par rapport. Quand vous avez un 8-9e, vous prenez du patara et vous tendez votre idée. Oui, sinon, ça peut marcher. Ok. Donc la quête, c'est aussi un élément très important dans le réglage. On peut changer un bateau, c'est comme les appendices, on peut changer un bateau en changeant la quête. Donc n'hésitez pas à jouer sur la quête du bateau en jouant sur la course du ridoir que vous avez. Il y en a même qui vont jusqu'à changer des étapes plus courts ou plus longs pour voir entre chaque bateau. Mais c'est aussi phénoménal comment on peut changer un bateau avec la quête. Pour les rares qui ont un bas été, oui. Et moi, mon rêveur de bas me disait avant, tu blindes ton bas été. Après ça. Et en fait, je suis aperçu qu'en lâchant du bas été, tout se passait beaucoup mieux. D'accord. Il était trop blindé. Mais en fait, c'est pour l'histoire. Le bas été, c'est pour l'histoire du pré-cintre, en fait. Oui, c'est parce que vous n'avez pas de barre de flèche puissante, peut-être. Non. Voilà. Voilà. Du coup, sur les anciens mâts, effectivement, pour empêcher le mât de partir vers l'avant, vers l'arrière, il faut. Souvent, les gréeurs, ils préfèrent qu'il y ait un pré-cintre pour sécuriser ça, pour être sûr que le mât ne va pas s'inverser. Du coup, ils disent blinde, comme ça il est tranquille, mais c'est vrai que c'est pas forcément bien pour la performance. Ouais. Mais il faut. Alors, sur le gréement courant. Voilà. Donc, sur les bateaux de course, moi j'ai marqué, il n'y a pas de puits de polyester. Hein. Dinéma, je pense que tout le monde est en dinéma partout. Et après, voilà, s'il y a une règle à retenir sur les grands courants, des marquages partout, même si souvent on se dit, moi j'ai au feeling, j'arrive bien à voir ma voile, tout ça me convient. Et c'est vrai que ça marche la plupart du temps. Malgré tout, faites des marques et des repères partout. Alors on va un peu détailler pour chaque élément. Mais c'est un peu une base. C'est une base de la préparation. Les bateaux très préparés, ils ont des marques partout pour toutes les manœuvres. Même s'ils pourraient le faire des yeux fermés, finalement, c'est souvent ceux qui ont le moins besoin de marques qu'on en a plus. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement, ils ont des repères, et au moment où il faut aller vite, ils peuvent aller vite. Et au moment où ils sont fatigués, cramés ou en train de faire autre chose, ça marche toujours pareil, il n'y aura jamais une manœuvre. Donc c'est une règle, c'est des marques. Du coup, les écoutes, après, ce sera rapide, c'est pareil, je pense que chacun a fonction des niveaux. Si vous commandez des écoutes chez un gréeur, il y aura forcément des attaches rapides, c'est-à-dire c'est des mousquetons rapides ou alors des manies textiles, il y a plein de systèmes différents. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Donc des attaches rapides pour les changements de voile. Après voilà, c'est aussi des histoires de matelotage, des surgainages en dynéma. Des surgaines en dynéma pour que partout où il y a du frottement en fait, le dynéma ça résiste mieux, ça coulisse mieux, ça glisse mieux. Ça résiste assez bien à l'abrasion. Du coup, c'est pareil, si vous commandez des écoutes ou des drisses en général, elles sont peut-être comme ça. Mais excuse-moi, les manies textiles, je trouve pas ça rapide. Non, c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est léger, et après, il faut avoir le coup de main, il faut qu'elles soient très bien faites pour que ce soit rapide. Mais c'est de moins en moins utilisé, effectivement, pour des écoutes. Du coup, c'est plus en Figaro, ils ont tous en Figaro, par exemple, la plupart, ils ont les Tilasca. Les Tilasca, c'est les mousquetons rapides, c'est une marque, c'est la marque la plus chère. Puis c'est pas cher. Parce que ça permet d'avoir ils ont une très grosse résistance, ils sont tout petits et puis ils fonctionnent à merveille. Comment ça s'écrit, Tilasca? Ils s'ouvrent en char. Et ils s'ouvrent très bien en char. Ils s'ouvrent bien. Donc ça, c'est un peu... Après, il y a d'autres systèmes un peu un mix de textile avec des bones et tout ça. Il existe pas mal de petits trucs qu'on voit sur les différents bateaux, mais... Les Tilasca? Non, les autres systèmes, oui. Avec les bones, ça s'ouvre. Oui, ouais. Non, c'est pour ça que je pense que c'est le Tilasca. Mais c'est pas mal quand même d'étudier ça sur les bateaux où il y a des changements de voile à faire devant. Après, donc, les marquages pour les écoutes, en général, le minimum, c'est d'avoir des écoutes pour des marques pour les virements, en fait. Quand vous virez de bord, et ben, que vous puissiez embraquer l'écoute et tout de suite sur un bon réglage, donc pas le réglage au pré-serré quand je suis parti, mais le réglage de relance. Le réglage de relance,
la vaisselle des deux côtés, les virements de bord, ça tourne tout seul. Voilà, ça, c'est... Et pour les, et pareil, les empennages pour les écoutes ou les bras, je ne sais pas comment on voit, comment vous fonctionnez, mais d'avoir des réglages pour que les empennages, d'avoir des marques pour que les réglages soient calés pour les empennages. C'est-à-dire que c'est des marques pour des réglages spécifiques, ce n'est pas simplement une graduation du physique. Là, voilà, c'est un peu à minima, mais en général, c'est comme ça en Figaro. Ils ont des marques, ils savent exactement quand ils vont, par exemple, démarrer un empennage en solitaire. Ils ont des marques, ils mettent toujours les bras et les écoutes au même endroit. Ils sont dans la position neutre avant de déclencher l'empennage. Voilà. C'est le moment où ils peuvent décrocher, par exemple, quand pour les voiles et tangons. C'est le moment où ils savent que le ski est stable, ils peuvent aller à l'avant, décrocher le truc, parce qu'ils ont toujours les mêmes marques. Voilà. Même marque d'écoute. Ils ont trouvé le bon réglage, le ski est super stable. Ils se mettent comme ça, ils vont décrocher à l'avant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils peuvent rester comme ça. Voilà. Bon, bah, ce serait pas possible sans les marques. Et les marques, c'est des surlures. C'est souvent des surlures. Après, si déjà les coups de faute, c'est bien, mais il faut les refaire régulièrement. Mais moi, j'ai toujours un feutre un marqueur dans la descente, dans une balle à voûte ou dans la poche. Voilà. Même quand on trouve des fois un bon réglage, hop, on fait une marque tout ça. Et puis après, si c'est un truc qui perdure, c'est surlure. Aujourd'hui, on fait des surlures en dynamite, il y a des bobines de toutes les couleurs, on peut avoir plein de... Il ne faut pas avoir peur d'avoir... on n'a jamais trop de marques, en fait. Hein. Les drisses, c'est pareil, c'est un peu le même principe, les attaches rapides, pareil, souvent les tilascas, les mousquetons, pareil, les surgainages, l'extrémité, dans les passages de réa, des butées plastiques pour éviter que les tilascas, tout ce qui est inox, que ça vienne abîmer les réas. Donc les marquages, moi je mettrais au moins pour les voiles hautes, hein, parce que souvent on voit tellement de gens qui se spient et puis qui pensent qu'il est en tête, puis en fait il manque 30 cm et de en bas il le voit pas. Donc il les marque voile en tête. Quoi. Voilà. Après justement bah, sur les drisses, c'est un réglage aussi, par exemple pour les voiles d'avant. Il faut avoir une marque et souvent sur les Figaro ils ont une marque et une réglette. C'est-à-dire qu'ils savent combien ils vont choquer de drisses dans le petit temps et tout ça. Ils jouent beaucoup sur les tensions de drisses. Donc pour ça il faut avoir des repères en fait, parce que c'est comme ça. Voilà, après j'ai marqué, c'est souvent, vous connaissez tous les bloqueurs des constricteurs, les bloqueurs textiles. Ouais. Ouais. C'est un truc, si vous avez des problèmes de boot, souvent on a, sur le coup de bateau avant on avait des problèmes, les gaines qui s'usaient, qui cassaient, ou les bloqueurs qui tenaient pas, les drisses qui filaient. Les constructeurs c'est quand même... C'est quoi un bloqueur textile en fait, c'est une gaine, vous tapez constructeur, c'est la marque Cousin qui fait ça. Ouais. C'est ce qui est le plus léger, on en voit sur les bateaux de course, c'est ce qui est le plus léger, c'est ce qui est le plus... C'est assez fin, c'est des réglages assez fins, ça permet des réglages assez fins. Ouais, alors ça a quand même un inconvénient, c'est qu'au moment où il se met en tension, comme c'est un bout qui passe dans une gaine, ça lâche 10 cm, ça rend un 10 cm. Ah, ça rend ouais. Après, c'est moi sur des gros bateaux, sur les petits bateaux, sur des diamètres vides, ça va être moins que ça, ça va être 5 cm. Mais en fait, pour ça, après, il suffit de prusiquer un peu, c'est de pousser la gaine. Oui, c'est ça, mais on est obligé de le faire à chaque fois. Oui, il faut le faire quasiment à chaque fois qu'on ça évite. Vous pensez à. Ça évite, voilà, ça évite de perdre la gaine, voilà. Sinon, ça évite de perdre 10 cm. Voilà. Mais une fois qu'on a pris ça, ça a quand même beaucoup d'avantages. C'est vrai que c'est léger, c'est pas très cher, c'est largue à tout charge. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça use pas, une fois que c'est bloqué, ça ne lâchera jamais et ça use pas les boots. Pour le coup, c'est pas très cher. Et c'est pas très cher, c'est deux fois plus léger qu'un bloqueur normal. Et du coup, ça supprime complètement le bloqueur classique. Oui. Oui, ça remplace complètement le bloqueur classique. Alors c'est pas à mettre avec parcimonie, parce que si on n'est pas habitué, il y a des gens qui vont être un peu. Voilà, c'est quand même ça fonctionne un peu différemment quand même. Donc du coup. C'est bon pratique. Voilà, au niveau du pratique, il faut s'habituer un peu. Ça permet par exemple de relâcher très vite une sous-charge. Voilà, exactement. Sous-charge.
En fait, il y a un petit bout. En fait, la gaine, elle est tendue par un élastique, naturellement. Et on a un petit bout qui permet d'étendre l'élastique et pof, ça ouvre, ça libère le. Bon, j'aurais dû vous mettre un. Mais vous tapez constructeur, cousin, vous verrez. Et sur tous les bateaux de course, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il y a des mini qui ont que ça, il y a des bateaux aujourd'hui qui ont plus que ça. Après, moi, je trouve que c'est. Avec parcimonie, moi, j'aime bien les bloqueurs, et des fois, le bloqueur, pour choquer une drisse, je trouve ça plus rapide. L'inconvénient aussi c'est du consecteur, c'est que ça génère un peu de frottement. Donc si vous devez drisser à la volée, des fois, j'étais sur des bateaux où ça génère un peu de frottement, donc c'est un peu dur. Donc voilà, c'est pas un milieu à la solution miracle. Parce que le bout, la gaine est pas suffisamment tirée en arrière, mais oui. Bien tirée en arrière. Exactement, normalement ça marche bien. Il y a des réglages à faire. Exactement. Plus compliqué qu'un bloqueur. Après les manœuvres diverses, voilà, pas hésiter sur les réglages fins. Voilà, les barbeurs, les écarteurs, les pales en train de GV, les pales en train de patara. Voilà, parce qu'il y a le patara, souvent, il faut pouvoir le reprendre et le relâcher vite, mais il y a aussi un réglage fin. Le réglage 3D sur les voiles d'avant. Donc je pense que vous avez tout ça aujourd'hui, vous pouvez tous, non. Alors, après, des fois, vous l'avez, des fois sans le savoir, mais il faut pouvoir, sur une voile d'avant, les voiles des génois, tout ça, il faut pouvoir écarter, rentrer et l'altitude. Donc c'est une 3D. Ouais. Enfin, avant les bateaux, il n'y avait pas ça. 3D. Voilà. Et l'idéal, nous sur les mini, tout ça, il n'y a plus de rail, c'est un anneau dans lequel et après on tire à droite, on déplace l'anneau, on le positionne où on veut, et ça permet vraiment de régler sa voile comme on veut. C'est impressionnant, ça. Pas hésiter non plus sur les démultiplications. Voilà. Pour régler à la main, parce qu'on règle forcément, c'est toujours plus fin. Pas désigner, faut pas que ce soit dur, ou parce que du coup vous ne le faites pas parce que c'est trop dur, ou pas tout coup vous êtes obligé de choquer, pour par exemple, je sais pas, quand vous avez des chariots, vous êtes obligé de choquer la voile d'avant pour pouvoir la reprendre, tout ça. Si jamais il suffit de démultiplier, faut pas hésiter, faut démultiplier, faire des palans. Voilà. Je passe sur les choix des poulies. Et pareil, des marques sur les manœuvres, pareil, toujours faire des marques pour des réglages moyens, après c'est en fonction un peu de chaque bateau aussi. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des repères des fois, surtout en solide, surtout quand on est en double, quand on peut être fatigué, tout seul la nuit, tout ça. Avoir quelque chose qui alerte, dire bah, tiens, c'est pas sa place, et puis quand on regarde la voile sous le vent, bah oui, c'est pas bon. Ça nous amène à l'ergonomie et au confort. Donc c'est pareil, on pourra en parler pendant des heures. Je ne sais pas si vous soignez ça un petit peu sur les bateaux. Alors souvent c'est à l'origine, pour vous c'est plutôt des bateaux un peu course croisière, donc ils sont quand même relativement confortables, mais les postes ne sont pas forcément soignés, les postes, notamment le poste de bar. Donc j'ai marqué, aménager un poste de barre, c'est de pouvoir ramener toutes les manœuvres importantes au vent, hein, quand on est à la barre. Donc j'ai marqué les coups de ski, je ne sais pas si vous faites ça, voilà, pouvoir la régler. Quand le bateau il commence à partir au tas, des fois il suffit de choquer un tout petit peu, et puis le bateau il revient, et puis on reste un petit peu abattu, on borde au winch, et puis on a gagné 3 longueurs sur le concurrent, qui lui est toujours au tas, parce qu'il est parti sous le vent, il a fallu qu'il mette son pilote. C'est important. Ça, c'est l'écarteur de voile préparation, ça, c'est plus de l'habitude en navigation. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. C'est une adaptation, il faut pouvoir le faire. C'est vraiment différent de chaque bateau. Mais je sais que, après, des fois, il faut avoir des bloqueurs supplémentaires. Je sais qu'en Figaro, ils sont limités en nombre de bloqueurs, donc comme il n'y a pas le droit de rajouter des bloqueurs, on rajoute un à côté d'eux, mais comme ils veulent tout avoir, pouvoir tout ramener, toutes les manœuvres, on en rajoutait. Par exemple, la chose qu'on ne pense pas, et qu'ils ont tous en Figaro, c'est de pouvoir régler, on parlait du réglage 3D de la voile d'avant. Quand le vent est fort, on se demande comment est-ce qu'ils sont. Ils sont tout le temps, ils sont capables d'être à 30 nœuds avec leur génois et leur gelée haute. Bon, c'est pas de la magie, c'est juste qu'ils savent très bien régler leur voile et qu'ils ont tout à portée de main. Quand le vent monte, quand il y a un grain, ils ont à portée de main, ils peuvent écarter au maximum le génois.
sans en laissant border et ça me permet de le tenir en fait tout simplement sans qu'il ait de la puissance comme on fait choquer le chariot. En fait souvent on n'y pense pas mais on est tout le temps on choque notre chariot, on y pense puis on choque pas notre voile d'avant, mais en fait ça devrait être exactement pareil. On devrait, quand on choque du chariot, on devrait aussi choquer l'écarteur en fait. On devrait écarter la voile d'avant. Donc ils ont ça à portée de main, hein, forcément. Du coup, bah, comme on en parlait déjà, le réglage du patara aussi, hein, c'est le grand moli, je rechoque du patara, ça c'est un réglage permanent, il faut l'avoir à portée de main. Le halbat GV aussi, donc ça c'est surtout important, hein, si vous allez faire des transquadras et tout ça, bah, l'halbat GV il faut qu'il soit à portée de main, parce que vous allez jouer avec, dès que, pareil, hein, si le vent il monte, les bateaux ils commencent à accrocher, à partir un peu au tas, bah, pour pouvoir choquer vite le halbat. Après, donc une assise confortable si vous passez 2 heures à la barre, un peu surélevée parce qu'on a vite, voilà, il n'y a qu'un vêtement aujourd'hui qui est étanche. Les membranes respirantes c'est très bien, mais ça fait très vite un effet de pompe en fait, dont on a l'effet souligné. Après, bah, on peut vite avoir des problèmes de dos aussi, comme on a les positions de barre en fait, c'est un truc qu'on devrait être. Ça serait bien si on devrait être face à la route, en fait, les positions de barre sont jamais bien pour le dos, donc avoir un dos calé, Et du coup, bah pour les 4 pieds aussi, très important. Et c'est vrai que les filiaristes aussi, on travaille énormément sur les 4 pieds. Toujours avoir en général, c'est quand même avoir les jambes tendues. Il faut même rajouter, c'est souvent des barres, j'avais mis des illustrations. Je sais pas si on voyait, bon, c'est un peu. Là, c'était juste pour montrer que voilà, ils ont des sièges baquets. Souvent, ça c'est l'idéal pour ceux qui ont un peu des problèmes de dos, même ceux qui n'ont pas. Sièges baquets. Pour se faire tenir, pour être tenu, pas avoir mal au dos. Et après, les 4 pieds, on voit qu'ils ont tous les commandes, on voit qu'ils ont toujours le réglage en fait, de la voile d'avant qui revient au vent, hein, avec le wind, ils sont prêts à régler. Et le 4 pieds qui règle en permanence aussi, hein, en fait, pour avoir la bonne position, jambes tendues, pour pouvoir tenir des heures à la barre. Des questions là-dessus ou j'essaie d'aller vite pour rattraper le temps mais... ensuite le poste de veille aussi, le poste de repos. C'est vrai que sur ce qui est utilisé par quasiment tout le monde aujourd'hui, c'est des matelas à billes. Et pensez à la protection des embruns, souvent je sais pas si vous avez. Je sais que vous voyez tous les bateaux de course au large de plus en plus, c'est vrai que les Figaro je vois que le Figaro 3, ils n'ont rien prévu, il n'y a toujours pas de poste de veille, tout ça. Bon, c'est qu'ils doivent aimer ça, mais tous les autres classes, on cherche la protection au maximum. C'est un gain de performance, en fait. Hein, c'est vrai que l'eau, ça tue pas, mais c'est vrai que c'est forcément, il y a un moment où on sort moins la tête, on a marre de s'en prendre plein la vue. Le matelas à vie, c'est pour l'extérieur, évidemment. Enfin, c'est un truc... Ça peut être intérieur, extérieur. Alors extérieur quand il fait beau, parce que sinon, après, voilà, si c'est pas à l'abri, ça prend l'eau, ça devient. Mais ça peut. Ouais, c'est l'avantage du matelas à billes, c'est que justement, s'il fait beau, vous pouvez le mettre dans la descente et somnoler là, tranquille, ou dans le cockpit. Et puis s'il fait pas beau, vous le mettez juste en pied de la descente, prêt à intervenir, et comme ça permet de dormir vraiment le plus près de la descente. Quoi. Et c'est aussi l'avantage du matelas à billes, c'est aussi qu'on est calé. En fait, les mouvements des bateaux, vont de plus en plus vite et ça tape quand même, elles tapent pas mal. Et du coup, on a le dos calé et tout. Voilà, en fait, on fait son empreinte dans le matelas à billes et puis après, on bouge plus. Quoi. L'habillage, j'avais marqué, ouais, bah, c'est comme le polyester, bah, pas de coton, sinon ça retient l'humidité. Et un des trucs qu'on voit de plus en plus, qui est un peu magique, ouais, j'ai découvert ça sur la Transat Jacques Vabre, on a un bateau très humide, c'est les sous-combinaisons en Gore-Tex, comme ça. Une intégrale en Gore-Tex, que vous mettez, c'est finlandais, voilà. Ensuite, c'est la MTS. Ça doit coûter quand même 600 euros, mais c'est moins cher que les sèches, parce que sinon les sèches intégrales, Musto, tout ça, c'est plutôt 1500 euros. Et avec ça, vous êtes vraiment sec et vous mettez ça par-dessous vos vêtements classiques. Parce qu'en plus, nous, dans la voile, souvent, il faut qu'on porte les vêtements qui sont floqués du sponsor, donc on n'a pas le choix des tenues. On met ça dessous quand on a des vêtements étanches ou pas étanches, on est tranquille. Quand on va dormir, même si la bannette elle est trempée, ben, on enlève les cirets, les bottes, mais on a ça, parce que ça, c'est avec les chaussons.
Avec les, on a les pieds étanches aussi, parce que les pieds sont en voilà. C'était la, c'est la petite astuce, c'est le petit truc qui... Moi, je me demandais aussi, des fois, en IMOCA, sur certains bateaux, je me disais comment ils font, c'est pas possible, quoi. Parce que, et quelle marque on est trempé. Hirsute. Avec ça, on arrive à pas être mouillé. En fait, c'est possible maintenant, aujourd'hui, de pas être trempé, même quand on asperge en permanence. En sécurité, donc ça, on va pouvoir aller assez vite. Je sais pas si vous avez des questions. C'est un sujet qui est tellement vaste, en fait. C'est parce qu'on a dit avec Xavier qu'on le mettait, du coup, je l'ai mis. Et c'est un sujet qui est très vaste. Il faut surveiller les RSO. Hein. Aujourd'hui, on doit tous se conformer aux RSO. Ça change chaque année. Chaque année, ils inventent des nouveaux trucs. Cette année, c'est les pharmacies qui sont en train de refaire toutes les pharmacies. Le radeau de survie, pour moi, il faut qu'il soit léger. Souvent, on voit des trucs, les gens ils prennent toutes les options, le coffre et tout ça, puis quand on essaie de le soulever, c'est le plus possible. Donc, prendre le plus léger possible, puis en plus, c'est bien pour la performance. Et si on va le positionner, c'était proche du tableau arrière. Jamais à l'abri de perdre sa quille, ou ça peut arriver. Et du coup, tableau arrière, de toute façon, c'est par là qu'on va le lancer, on peut le récupérer quand le bateau est retourné. Après, c'est moins bien pour la performance, mais la règle, c'est qu'il doit pouvoir être mis à l'eau au moins de 30 secondes, c'est ça? C'est oui, ça. C'est ça. 15 secondes. Non, puis je pense que aujourd'hui, sur beaucoup de bateaux, puis du mât, c'est trop exposé. Mais à l'intérieur, sans dégravité. On y viendra après, parce qu'après, il y a un point sur le matossage et le point. Mais bon, la radeau de survie, de plus en plus, ils demandent à ce qu'il soit plombé et tout ça. Moi, j'ai fait des courses en IRC où on le matossait la radeau, tout ça. Ouais, c'est du poids, hein, c'est 30 kg, si on peut matosser. Voilà. Du coup, s'il doit être souvent. C'est pour ça qu'il y a marqué grab bag. On peut demander à avoir les compléments 24 heures dans le radeau. Du coup, ça fait quelque chose qui est très lourd, donc moi je ne suis pas favorable à ça, mais c'est des grab bag. Quand on fait des courses qui durent moins de 24 heures, comme ça, on prend ça. Du coup, il faut qu'il soit sanglé solidement et avoir un couteau. Pas se dire si jamais vous avez besoin de vous en servir, vous ne dites pas j'ai commencé à défaire les nœuds, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait un système rapide. Du coup, avoir un couteau qui est dédié à ça à côté. Le bidon de survie, je ne sais pas si c'est parce que nous, dans nos classes, c'est généralisé. On a un bidon étanche, je ne sais pas si vous avez tout ça aussi, j'imagine. La valise AIS, c'est le truc quand même qui existe depuis quelques années, qui est le truc qui marche. Hein. Ouais. Moi j'ai toujours aussi une frontale étanche qui fait aussi flashlight s'il y a un problème, j'ai toujours ma frontale sur moi, si je tombe à l'eau. Les balises AIS, vous les mettez en déclenchement automatique dans GE ou pas? Non, parce que sinon l'eau c'est trop. Ouais, ça. Non, par contre, ouais, ce que j'ai mis après à la fin, s'entraîner à vos balises AIS, c'est assez dur. On se rend compte quand on veut essayer de le faire que c'est dur à ouvrir, c'est assez dur à mettre, donc il faut. Vérifiez votre balise et n'hésitez pas à faire le test en fait. Vous parlez des balises individuelles. C'est pas obligatoire encore cette dernière saison. Elle commence à être un peu problème de plus en plus. Sur les catégories, elle doit être très vite. Non, c'est pas, là, c'est, moi je parle de la balise AIS, après il y a la balise la PLD, c'est la balise la SARSAT individuelle. Oui. Aujourd'hui on nous demandait deux, mais genre généralement dans ma poche j'ai la balise AIS. Parce que quand on tombe à l'eau, si on est sauvé, ça va par des concurrents, des gens qui sont pas loin. Sinon, la PLB, c'est pour retrouver le corps, en fait. Et le fait de ne pas la mettre gonflable en automatique, c'est-à-dire si on se prend une bombe dans le crâne, c'est sûr, ouais, c'est tabarli. Après, nous, c'est vrai que c'est souvent trop humide, il faut trouver un endroit, sinon c'est pas facile de trouver un endroit étanche et qui ne soit pas trop non plus quand on tombe dans l'eau. Donc, c'est pas... Moi, j'aime pas trop. En mini, nous, on a eu beaucoup de problèmes avec les automatiques. Il y a eu des déclenchements intempestifs et tout ça, et après, ça devient très vite contre-productif parce que en fait, le cross, ils disent ça s'est déclenché, ils s'appellent puis, ils commencent déjà par se dire, c'est encore un déclenchement intempestif. Et celle qui se déclenche avec quand le gilet se gonfle. Ah oui, d'accord, le problème qu'on a après, c'est que le gilet peut se gonfler sans qu'on le veuille, surtout le numéro 1.
Donc il faut avoir. Alors même les gens, même les gens, on rappelle. L'avantage, c'est vrai que en fait, je pensais pas à ça. Mais c'est sûrement une bonne solution parce que l'avantage de la balise AIS aussi, c'est pour ça que je. C'est qu'en fait, ça ne fait pas intervenir le cross tout de suite. C'est d'avoir les bateaux autour. Après, vous pouvez toujours annuler et puis appeler à la VHF, parce que ça veut dire que vous êtes à portée de VHF, dire ah ben non, ben, excusez-moi, c'est un déclencheur intempestif. Donc, c'est un peu l'avantage aussi. Après, gilet, harnais confortable, ça c'est plus pour les grandes courses, les transats, tout ça, s'attacher. Ça, pour s'attacher, il faut aussi avoir bien réfléchi, avoir un gilet qu'on supporte et avoir des circuits, des circulations qui ont été réfléchies à l'avance. Alors les pires, proches de la descente, il faut avoir un point fixe, parce que souvent, si on imagine, si on veut la sortir, tout ça, bah, on peut la perdre. Je connais des gens qui ont perdu leur balise, parce qu'au moment où ils ont voulu la sortir, et puis ça bougeait, puis on est parti. Donc, et après, dans le bateau, voir, puisque quand les secours qui arrivent sur place, ils vont vous demander qui vous êtes, vous identifier, ça peut prendre vite du temps, ça peut vite très nerveux si vous ne savez pas votre MSI. Le nom du bateau en alphabet radio, ouais. Choisissez un nom court pour votre bateau. Et puis s'entraîner. Ouais. S'entraîner à faire des essais, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais s'entraîner à la main à la mer, en équipage, tout ça, c'est super instructif. Et s'entraîner à déclencher les balises aussi, regarder comment ça se passe, parce que c'est pas le moment quand on est dans la nuit, dans la panique et tout ça, qu'on est le plus efficace pour ça. Les stagistas sont pas mal. Et les stages, voilà, c'est pour ça que qu'on va assez vite là-dessus, c'est que globalement, ça c'est les stagistas. Juste un tout petit truc, si je peux me permettre de rajouter, nous avons conseillé, à côté du carbat, d'avoir un sac étanche avec les papiers, les téléphones portables, les cartes de crédit, une VHF, etc. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais s'il faut évacuer le bateau, on a tout d'un coup. Tout à fait. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est le même plan de survie aussi. Par exemple. Et la question du safran de secours, la perte de safran. La question du safran de secours, ouais. Ouais. Alors, c'est lourd. Safran qui casse. Comment ça fait ? C'est lourd et... On connaît la théorie, mais en pratique... Ouais. Ah mais c'est sûr. Moi je pense que je continuerai à pas en amener. Ouais. Ouais, et finir, ouais, il faut le finir. Ça fait partie du. Je pense que. On peut finir avec pour un bisafran, hein, bien sûr. Ouais. Bah, oui. De toute façon, le safran, c'est quand même plus rare. Mais, ouais, sur les bisafrans, on peut continuer avec un safran tout seul. Voilà. C'est sûr que la course elle est un peu finie, mais on a vu encore que le dernier Transquadra, il a gagné la course avec un safran. Hein. Peut-être qu'il n'aurait pas gagné s'il avait passé du temps à essayer de remettre son nouveau safran et machin. Il a du temps, il serait peut-être fait mal, il serait peut-être. Sur les courses d'Europe, ils demandent dans le questionnaire une solution pour un safran de secours. Moi, je n'ai jamais su répondre à ça. Systématiquement, on vous demande si vous en avez un et si vous l'avez testé. Comment ça fonctionne. Mais votre safran de secours, lui, c'est pareil. C'est pareil, nous, c'est ça. Mais si je demande, c'est une méthode. La méthode, moi ce que je leur réponds, c'est que nous sur le trimaran, bah, j'ai trois safrans, hein, donc j'en casse un, j'ai les deux de secours. Bah, sur la Giraïa. Quand vous en avez deux, vous en avez un de secours en fait. Giraïa, il y a deux ans, il y a un ou deux bateaux qui ont été évacués par les commissaires à cause de rupture de safran. Les deux safrans ont cassé. Ben, je ne sais plus si c'était un ou deux. Un, je suis sûr. Deux, je suis majoritaire sûr. Et alors, on répond quoi comme. Parce que moi, j'ai une question. Pourquoi c'est chacun. Vous avez un monosafran ? Oui, mais j'ai pas de tambour. Une fois que j'avais un tambour, j'ai le tambour oui. Plus planché. C'est ça, c'est marché. C'est très difficile. Il faut du beau temps. Il faut avoir la technique. Parce que ça fait quand même de la surface, hein, avec le, ça, ça bouge, c'est impossible à tenir. Hein. Si vous avez déjà essayé déjà au port, quand il y a un peu de courant, c'est compliqué. C'est pour ça que d'avoir des fois, on peut être content d'avoir, comme souvent quand on amène des choses en sphère, on peut se dire c'est tombé dans la bonne configuration où il y a eu du beau temps, j'ai pu changer, j'ai pas perdu de temps, j'ai pu finir la course. Ouais. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez. Pas casser le jour où il fait grand soleil.
Oui, en général. C'est forcément cassé au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui. Bon, après, ça peut être pertinent si le safran, si vous en avez, si vous avez déjà un, si, voilà, si vous en avez un, parce que ouais, si vous en avez un, de l'emmener. Les voiles. Alors, les voiles, c'est parce que c'était, donc, c'était avec Xavier qui m'avait donné un peu un cahier des charges. Savoir que, donc, sur les voiles, comment choisir son voilier, choisir des choix de voile. Moi, je dirais, bah, soit vous êtes fidèle avec votre voilier, vous faites un travail continu, qui connaît le bateau et vous aussi, puis voilà, on avance. Et soit vous avez des bateaux identiques, et puis vous voyez un bateau qui marche, comme ils font en Figaro, hein, en général, quand, le plus souvent, quand le vainqueur, l'année d'après, tout le monde a les voiles du, tout le monde va chez le voilier du vainqueur de la solitaire. Hein. Des histoires de suivre la tendance, quoi. Après, essayez d'impliquer votre voilier, donc c'est plus facile si vous êtes fidèle, mais pas toujours. Des fois aussi, il y a des voiliers qui sont en recherche de clients, ils vont être plus disponibles. C'est un vrai plus, en fait, de connaître la philosophie des voiles, en fait, savoir les voiles, pourquoi est-ce qu'elles ont été dessinées, est-ce qu'ils ont cherché à mettre un peu de creux, est-ce qu'ils ont réfléchi est-ce qu'ils ont réfléchi au bateau, les voiles, c'est pour chaque bateau, chaque, même, on va dire, chaque projet, là, voilà, tout. Donc c'est important de connaître ces voiles. Donc, après, du coup, bah, vous verrez sûrement ça avec Adrena, c'est se constituer une sélecte. C'est de bien connaître les ranges d'utilisation des voiles, angle de vent, force de vent. Voilà. Je pense que c'est pas mal de se le faire même en théorie, pour que ça permet de dégrossir, de connaître ces voiles et des fois pas tromper. De nous, sur nos bateaux aujourd'hui, on regarde tout, on a l'ordinateur qui nous dit, hein, parce que les ranges de voiles, les selects, on les a faites et elles sont rentrées sur l'ordinateur. Et il nous dit, et on vérifie souvent. Si on s'est pas trompé, en fait, parce qu'on peut très vite être content de dire bah, tiens, ça va vite et tout ça, puis en fait on pourrait aller encore plus vite même si on n'a pas, pas la bonne voie. Les speed tests en effet ouais. Pratique, si on n'a pas de renard, Ah, les speed tests, c'est, moi je pensais même pas forcément qu'il y a plusieurs bateaux en fait. Plusieurs bateaux, c'est ça. De prendre des photos. En général, parce que souvent vous avez un coach derrière, mais il est fort, comment est-ce qu'il arrive à voir, il m'a dit de border un petit peu plus, de reprendre un petit peu plus d'alba, c'est super c'est fort. Et en fait, vous derrière, votre voile, vous auriez sûrement eu les mêmes réflexions. Quoi. Ouais. Un drone, il faut regarder ses voiles. Alors, après, il faut quand même prendre un peu de temps, un drone, ça a une batterie de 20 minutes, tout ça. Je pense que l'idée, c'est quand même d'avoir un zone derrière, faire les différentes allures, il faut prendre un peu de temps. En fait, si vous arrivez à avoir une journée dédiée à un moment à ça, en fait, vous allez faire différents, un peu faire tout votre jeu de voile avec un ami qui a un semi-rigide, vous faites ça à plusieurs bateaux. Voilà. Aujourd'hui, il y a des semi-rigides partout. Voilà. Je pense que c'est un vrai plus, quoi. Après, si vous êtes dans un centre d'entraînement, tout ça. Le coach, il va le faire. Moi, j'encadrais les duos, je passais mon temps à prendre des photos et après, je les envoyais. Tout le monde me demandait les photos parce qu'ils ont envie de regarder leur bateau de derrière, voire de devant, les différents angles de voile et tout ça. Bon, après, voilà, ça, c'est des trucs, tous les voiliers font ça maintenant, des penons, les bandes de visu systématiquement. Les bandes de visu, vous voyez ce que c'est, hein, c'est pour voir les formes, les bandes blanches pour voir les creux des voiles. Et les penons, et puis bah, s'ils s'abîment, les remplacer, tout ça, c'est et puis toujours six pieds. De plus en plus, avec les nouveaux matériaux, les voiles sont plus transparentes, du coup, pas hésiter à demander des fenêtres. Hein. Nous, je sais que sur le 3DI, tout ça, on demande à rajouter une fenêtre au voilier pour pouvoir avoir les deux penons. Et c'est vrai que si on se rend compte que si on l'avait pas, des fois, on peut être content aussi, puis en fait, les penons dessous, on les voit pas, mais ils sont pas bien. Et en général aussi, il y a très peu de voiliers, il ne faut pas hésiter à avoir des penons dessus de GV. On apprend beaucoup sur le réglage de sa GV avec des penons très légers et beaucoup plus longs. Même s'ils cassent et tout ça, en entraînement et tout ça, pour justement commencer à se prendre des repères. Je sais que nous, le coach, je ne sais pas, Tanguy Le Latin, vous connaissez, qui est aussi fait, lui, il fait mettre du film de cassette sur les penons de 1 mètre de long, quoi, pour voir si on accroche les flux en haut et tout ça. C'est assez parlant, c'est assez révélateur. Ouais.
réfléchir au superflu, dès que vous faites des achats, vous voyez s'il n'y a pas quelque chose de moins cher, de plus léger, ça va tout. Hein, dès qu'on achète un truc pour le bateau, on regarde s'il n'y a pas un autre produit qui est moins cher, qui est moins lourd. Voilà, si vous êtes bien à faire des nœuds de chaise sur vos écoutes, à faire des nœuds de chaise sur les écoutes, enfin moi sur mon mini, je faisais des nœuds de chaise sur les écoutes et puis j'avais pas envie d'en changer, je trouvais que j'étais rapide, que ça me ralentissait pas. Merci Vincent.